Bonjour à tous, c'est votre moment préféré côté comics. Alors on va attaquer tout de suite avec Julien qui va nous faire un petit tour des actus et des sorties de la semaine. Ensuite, Thomas va nous parler de Conan le Barbare, mais sans Schwarzenegger, le comics, hein, bien sûr, comme d'habitude. Et enfin, moi, je vais vous faire un petit tour sur l'univers Ultimate de Marvel. Et on va tout de suite retrouver Julien. Or, si tu veux, dans mon rêve, il y avait Wonder Woman et Supergirl, tu vois, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'à un moment, je sais pas pourquoi, il y a Hulk qui s'est pointé, ça a tout cassé. Oui. J'ai pas le temps de faire l'actu en fait. J'ai pas le temps, j'ai une séance de bronzage avec Sinestro tout de suite maintenant. Donc il faut que tu ailles. L'actu est sortie comique, ça tourne, vas-y. Quoi ? Bonjour et bienvenue pour l'actu et sortie comique de la semaine. Cinéma avec un film qui commence à faire beaucoup parler de lui, Ant-Man. Marvel continue d'attirer les grands acteurs puisque Michael Douglas prendra part au film et interprétera une version âgée du personnage d'Hank Pym, le créateur des particules Pym qui permettent de rétrécir et le premier à avoir porté le costume d'Ant-Man. Mais le personnage principal du film sera le deuxième Ant-Man, Scott Lang, qui sera lui interprété par l'acteur Paul Rudd. Le film est réalisé par Edgar Wright et sortira en juillet 2015, donc ça arrive tout vite. L'annonce qui a fait trembler la sphère des comics récemment, c'est la perte des droits sur la licence Star Wars, tout ça, par Dark Horse. Celle-ci rejoint donc Marvel début 2015, puisque Disney possède désormais Lucasfilm, comme vous le savez. Ce changement va grandement impacter l'univers étendu de Star Wars, puisque l'on sait déjà que toutes les séries en cours prendront fin en 2014. Ça fait mal. On ne sait pas encore comment Marvel compte gérer la licence. Par contre, en France, on sait que Delcourt est pour le moment rassurant quant à l'avenir de la franchise chez eux. Et c'est déjà pas mal. Le gros événement 2014 de Marvel a été annoncé, il s'agira d'Original Sin. L'histoire sera centrée autour du meurtre d'Uatu l'Observateur, alors que Nick Fury montera une équipe pour mener l'enquête. Un récit aux allures de polar qui sera scénarisé par Jason Aaron, est dessiné par Mike Deodato, le tout durera 8 numéros et commencera en mai. Ce ne sera pas le seul gros événement en 2014, puisque l'on assistera aussi au mariage de Deadpool. La cérémonie aura lieu dans le numéro 27 de la série régulière, qui aura pour l'occasion un format spécial et accueillera de nombreux auteurs qui présenteront tous leur petite histoire. Le cœur du numéro sera, lui, toujours écrit par Jerry Duggan et Brian Posehn. Par contre, le mystère demeure sur l'identité de la mariée. La nouvelle édition du Festival d'Angoulême approche et pour l'occasion, plusieurs éditeurs lorrains vont faire le voyage. Et ouais, un petit carré consacré à la Lorraine va accueillir l'association Phylactère et ses French Comics, les maisons d'édition Cotogy et Fugambule, sans oublier l'école des Beaux-Arts d'Épinal. L'association Phylactère a même édité une application mobile pour vous permettre de retrouver tout ce beau monde dans l'immensité du festival. Et en plus, vous pourrez gagner des cadeaux avec. Et ça, c'est quand même très cool. Il faut que je fasse aussi les sorties comics de janvier, je suppose. Bon bah on passe tout de suite aux sorties comics de janvier. Urban Comics lance son nouveau magazine 100% consacré à l'homme d'acier ce mois de janvier, Superman Saga. Vous y retrouverez pas moins de deux nouvelles séries, le blockbuster Superman Unchained par les superstars Scott Snyder et Jim Lee, que l'on ne présente plus, ainsi que le retour du grand titre Superman Batman dans lequel Greg Pak et Jay Lee réunissent les deux plus grands héros d'ici. Pour compléter le magazine, vous aurez aussi droit à la suite de la série Action Comics, après le départ de Grant Morrison, donc c'est Andy Deagle et Tonya Daniel qui débarquent. Et enfin, vous retrouverez la série Superman, que vous lisiez déjà dans DC Saga auparavant. Un nouveau magazine à ne pas rater donc pour les fans du plus boy scout des super-héros, sorti depuis le 17 janvier. Urban Comics toujours, du côté de Vertigo et du Western, avec l'adaptation du film Django Unchained. C'est le réalisateur, que dis-je, l'immense réalisateur, Quentin Tarantino lui-même qui signe le scénario de cette mini-série en 7 numéros, qui est l'adaptation du long-métrage éponyme, mais avec du contenu inédit. On retrouvera donc l'ancien esclave Django engagé comme chasseur de primes, mais qui n'a qu'un seul et unique but en vraie réalité, à savoir retrouver sa femme. C'est le dessinateur de Sculpt, qui s'y colle, RM Guerra, qui se charge de la partie graphique. Django a débarqué en librairie le 24 janvier. Panini Comics à présent, qui continue de nous présenter les nouvelles séries de l'éditeur Valiant, et c'est encore le cas ce mois-ci avec le tome 1 de Shadowman. Alors que les forces des ténèbres s'apprêtent à prendre possession de la Nouvelle-Orléans, Jack Boniface doit accepter l'héritage qui est le sien et devenir le super-héros au pouvoir surnaturel, donc Shadowman. Une histoire signée par le scénariste montant, Justin Jordan, et le dessinateur Patrick Zircher. En vente depuis le 15 janvier. Sachez qu'être fan de super-héros n'est pas toujours une très bonne chose, c'est ce que nous démontrent Zach Penn, Scott Murphy et Michael D. Pascal avec ce titre d'Avatar Press, Hero Worship. Adam vénère le super-héros Zénith jusqu'au jour où il acquiert lui aussi des pouvoirs et découvre la vérité sur son idole. Il va alors se retrouver confronté à lui et devoir faire un choix difficile. Pour découvrir le destin de ces deux personnages, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est toujours chez Panini et c'est toujours le 15 janvier aussi.
En bref, on notera aussi la sortie du nouveau tome de Walking Dead, le 19, qui nous emmène à la rencontre du nouveau personnage Ezekiel. La fin de la série DMZ, par Brian Wood, avec les tomes 11 et 12, le tome 2 de la série Pulp Masks, tome 2 aussi pour le maître voleur chez Delcourt, ou encore la suite des intégrales de Batman Nightfall avec le tome 5. Voilà, c'est terminé pour l'actu et les sorties de la semaine, c'est... C'est quoi ça? Faut vraiment que je le fasse? Faut que je fasse sa blague pourrie aussi? Bon. Attention. Où Superman aime-t-il le mieux dormir? Dans un lit superposé. Pouah, c'est mauvais. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un comics dont le personnage principal est un héros très connu. Il s'agit d'histoires à l'origine écrites par Howard il y a une centaine d'années. Il y a plusieurs films qui ont été tirés de ces histoires. Je parle de Conan le Barbare. Conan, c'est l'histoire d'un guerrier, d'un barbare qui a eu une vie très longue, pleine de péripéties. Dans cette histoire précisément, on va suivre sa jeunesse. Donc sa jeunesse, mais également sa grande histoire d'amour. Car Conan le Barbare, tout le monde connaît les histoires plutôt musclées qu'il a vécues. Mais il a également eu une histoire d'amour avec une reine des pirates assez forte, une histoire assez forte. Et c'est ce que va nous raconter Brian Wood dans ses comics. Dans ces histoires, on va suivre la relation de Conan avec Belit, donc cette pirate. Relation qui est déjà racontée en partie dans les récits d'origine, mais que là, Brian Wood va développer, va lui apporter une dimension vraiment assez forte dans la confrontation de ces deux personnages au caractère assez fort et assez trempé. Brian Wood, dans cette histoire, est épaulé par plusieurs dessinateurs qui ont tous un style assez moderne, qui change du style classique auquel on avait été habitué, plutôt dans ce style, le style ancien. Là, les nouveaux dessinateurs ont chacun leurs pattes, mais ils restent tous dans un genre assez moderne, qui est plutôt très sympa. Il y a notamment des scènes de combat de toute beauté. Les nouvelles aventures de Conan sont publiées par Panini Comics. Il y a deux tomes pour l'instant, le troisième sort au mois de mars. C'est une lecture vraiment très sympa, qui change du comics habituel, qui nous permet de lire un comics un peu plus d'aventure, avec des événements épiques, enfin voilà. Vraiment un comics très très sympa à lire. Bon, vu que j'ai obligé Jeff à faire l'actu, je vais faire le tout sûr, hein. Ouais, je sais, après le morceau, j'en ai fait 2-3 pompes avec Sinestro, tranquille. Donc, l'univers Ultimate de Marvel, qu'est-ce que c'est? On sait que la publication historique des comics est faite d'âge, de cycles, le but des éditeurs étant toujours de coller au maximum à l'époque de publication et d'attirer de nouveaux lecteurs en leur proposant des portes d'entrée. C'est ainsi qu'on a pu voir plusieurs grands reboots chez DC Comics où tout repartait à zéro. En 2000, Marvel a eu l'idée de faire la même chose, mais de manière un peu différente. Plutôt que de relancer toutes leurs séries, ils créent une nouvelle gamme de séries à côté, qui se déroule sur une terre parallèle, l'univers Ultimate. On a donc de nouvelles versions des personnages, un peu différentes de celles que l'on connaît, souvent plus jeunes et contemporaines. Ce sont les deux scénaristes Brian Michael Bendis et Mark Millar qui ont fondé cet univers Ultimate avec 4 séries majeures. Ultimate Spider-Man est la première série lancée en octobre 2000 et restera encore aujourd'hui le pilier de cet univers, puisque sa publication ne s'est jamais arrêtée, même si elle a été relancée à plusieurs reprises. Elle est lancée par Brian Michael Bendis et Mark Bagley et accueillera des dessinateurs tels que Stuart Timonen, David Lafuente, Sarah Pichelli ou encore David Marquez. Dans cette version, on a notamment un Peter qui se fait piquer par une araignée génétiquement modifiée et non plus radioactive comme à l'époque. Changement d'occupation aussi puisque Parker n'est plus photographe mais webmaster d'un journal en ligne. Ultimate X-Men de son côté est lancé quelques mois plus tard, en février 2001, par Mark Millar et Adam Kubert. Le scénariste anglais Mark Millar arrive tout juste chez Marvel et ne connaît rien aux X-Men. Il va donc proposer sa propre version de l'équipe, initialement composée du Professeur X, Cyclope, Jean Grey, Tornade, Le Fauve, Colossus et Iceberg.
Le côté philosophique et moralisateur des X-Men laisse place à de l'action pure et dure et à rythme effréné du Millar style, quoi. Mark Millar, toujours, lance ensuite en 2002 ce qui sera l'un de ses meilleurs travaux, en collaboration avec Brian Hitch, The Ultimate. Il s'agit tout simplement de la version Ultimate des Avengers. Une version beaucoup plus moderne, ancrée dans notre époque, et qui n'hésite pas à aborder des sujets sensibles qui peuvent aller de la politique étrangère au Moyen-Orient à la violence conjugale. Une excellente série qui connaîtra deux volumes de 12 numéros avant de changer d'équipe créative et de perdre grandement en qualité. Enfin, les 4 Fantastiques ont aussi droit à leur version Ultimate en 2004, par Brian Michael Bendis et Mark Millar cette fois, avec Adam Kubert et Stuart Simonen au dessin. Des scénaristes tels que Warren Ellis et Mike Carey passeront aussi sur ce titre. La version Ultimate de l'équipe est proche de la classique, mais il y a quelques changements majeurs comme l'origine des pouvoirs par exemple. Les personnages sont aussi, eux, beaucoup plus jeunes. Jeunes, modernes, ce sont les maîtres mots de l'univers Ultimate pour attirer des lecteurs plus jeunes et modernes. Mais un autre élément majeur va attirer la curiosité vers ces histoires, à ce moment que Marvel ne cesse de répéter, dans l'univers Ultimate, tout peut arriver. C'est un univers parallèle, ça n'affecte pas la continuité classique, on peut donc tout se permettre. On va ainsi assister à la mort de Peter Parker, remplacé par Miles Morales, à l'élection de Captain America en tant que président de la République, ou encore à un vrai génocide des super-héros lors d'Ultimatum. C'est en 2008 et 2009 justement qu'un gros événement met fin à ces 4 séries précédemment citées, Ultimatum. Une mini-série de Jeff Loeb et David Finch qui va être une vraie purge dans tous les sens du terme. Le but est de mettre de l'ordre dans l'univers Ultimate en tuant tout le monde, ou presque. Magneto déchaîne un tsunami sur New York et beaucoup vont y passer, dans Wolverine, Cyclope, Magneto, Professeur X, Le Fauve, Daredevil, Doctor Doom, Doctor Strange, La Guêpe, Hank Pym, et encore, et j'en passe, et des meilleurs. L'histoire est assez horrible et les conséquences encore plus. Suite à cela, ce sont différentes mini-séries qui se suivent pour les X-Men et les Ultimates, alors que Spider-Man reprend sa numérotation et continue. En 2001, suite à la mort de Peter Parker, les séries sont de nouveau relancées avec cette fois le préfixe Ultimate Comics. On retrouve toujours Spider-Man, les X-Men et les Ultimates. Actuellement, elles se sont de nouveau arrêtées, puisque nous sommes au cœur d'un gros événement intitulé Cataclysme. On a pensé pendant un moment qu'il pourrait s'agir de la fin de l'univers Ultimates, qui ne se vend plus aussi bien qu'à ses débuts. Mais non, Marvel vient juste d'annoncer une nouvelle vague de séries. All New Ultimate sera une version Ultimate des Young Avengers. Miles Morales Ultimate Spider-Man continuera les aventures du nouveau Tisseur. Et enfin, Ultimate FF verra les débuts dans l'univers Ultimate de la future Foundation. En France, les premières séries sont disponibles en plusieurs tomes dans des versions de luxe. Ultimatum a aussi été réédité en 2013. Les publications plus récentes, elles, suivront sûrement le même chemin dans peu de temps. Sinon, vous pouvez toujours retrouver les histoires actuelles dans le magazine Ultimate Universe. Voilà pour ce topo sur l'univers Ultimate. J'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur notre site officiel www.cotecomics.fr ou notre page Facebook Côté Comics. Sur ce, c'est la fin de l'émission. Je vous donne donc rendez-vous dans 2 semaines. Portez-vous bien, vive le market et gardez la forme. Peace.